Bonsoir à tous, nous sommes bien le jeudi 17 mars 2016, il est 18h précise. Ouais. Et comme chaque jeudi, vous le savez, entre 18h et 18h30, c'est toute l'actualité high-tech sur 01net TV, c'est 01 live hebdo. Jérôme Colombin, mes respects du jeudi. Mesdames et messieurs, le retour. Après 2 semaines d'absence, François Sorel is back. Ah bah écoute, voilà. Oui, c'était bien. On avait la paix. Tu m'as manqué quand même un peu. Mais oui, toi aussi, tu m'as manqué. C'est pour ça que je suis content de retrouver. Est-ce que Delphine attend? Parce que là, oui. Ah, moi, je m'en fous de toi. C'est... Ouais, je sais, je sais. De retour ou pas? Oui, Delphine sera là tout à l'heure. Bon, bah, très yes, bien, les plaisir, amis. Alors. Merci d'être avec nous. On va parler de gaming ce soir, François. Gaming, grosse actu gaming. Le PlayStation VR de Sony, il arrive. Et on connaît la date, le prix, etc. Et puis Pierre Fontaine va nous dire comment il marche. Et puis on va parler également, tiens-toi bien. Pierre, la pression pour Pierre. Ah ouais, ouais. En fait, sur le PlayStation. Il sait tout, Pierre. Et puis, sera-t-il possible un jour de jouer au même jeu sur PlayStation et sur Xbox ? En réseau ? Eh ouais, t'imagines un peu ça, ça je pense que ça peut être pas mal. Ça s'appelle le cross-gaming, là aussi, on a besoin des explications de Pierre. Voilà, notre Zoom Actu, tu sais quoi, le pape est sur Instagram. Ah ouais ? Eh oui, amen. Donc, tout à l'heure, Delphine va nous en parler. Et puis, nous irons du côté du labo, Jérôme, avec un appareil qui ressemble un peu, si tu veux, à la Surface Pro de Microsoft, mais c'est Samsung qui sort ça. Ah ouais? Ouais. Une tablette, donc. Un hybride. Attends, mais sous Windows 10, bien évidemment. Ah ouais, d'accord. C'est très joli. Et c'est Aymeric Simon qui viendra nous en parler. Et on c'est a reçu très ça joli. Tout à l'heure. Il nous en dira un petit peu plus. Voilà. Bon, ben voilà, c'est 01 Live Hebdo. Comme chaque jeudi, vous pouvez poser vos questions sur Twitter, hashtag 01 Live. Ça y est, on est connecté. Voilà, n'hésitez pas. Soyez les bienvenus. C'est parti pour ce 01 Live Hebdo. C'est d'ultra HD. Tout à bah oui, on a oublié de le dire. Mais voilà. Oh avec God. David Noguera. Non, David, reste là, reste là. Qui va nous en parler parce que c'est vrai qu'il y a eu pas mal d'actualités concernant l'ultra HD, notamment sur les box. Ouais. Et sur la box d'Orange, la Livebox, la nouvelle qui va être compatible ultra HD. Dévoilée on hier. On en profitera pour faire le point justement sur les box ultra HD disponibles. Mais on commence par le jeu. Salut Pierre Fontaine. Bonjour. C'était donc... Bravo. Pas le jour. Depuis qu'il vit en VR. Voilà, ça y est. J'ai une voix en réalité virtuelle maintenant. Aïe, aïe, aïe. Il a une voix en 360. Il vit dans un jeu vidéo. Alors bon, déception, Pierre n'est pas venu avec le PlayStation VR. Non. En fait, il y en a zéro. Hein. Ouais. Je crois qu'il n'y en a aucun en France. On a essayé d'en avoir un, mais il n'y a pas moyen. Et pourtant, on les a touchés, hein, ces masques. Mais c'était les versions d'avant. Enfin, oui, c'était les proto. Notamment, hein, où on a pu les tester longuement. Il s'appelait encore le projet Morpheus. Ah oui, voilà. Ça ne nous rajeunit pas. Lors de la Paris Games Week notamment. Bon, alors on parle de quoi exactement? On parle de ce fameux masque voilà, à c'est 360. Un casque de réalité virtuelle, bah, un peu comme l'Oculus Rift par exemple, hein, voilà. Le HTC Vive. Mm-hmm. Donc en fait, c'est un casque, donc maintenant on connaît le prix, hein, il n'y a plus de fantasme. Alors Sony avait dit que ça sera à peu près le prix d'une console ou d'un nouveau périph, d'une nouvelle console de jeu, 399€. 399€. Voilà, on est à peu près dans la fourchette. Et la c'est la moins chère. C'est le moins cher. Parce que le Rift est à 699. Et le Vive à 899. À 899. Donc, 799, non 899. 800 ou 900 de quoi non, 900, 900, depuis oui. Peut-être, depuis qu'il y a ces petits écouteurs et tout, il y a ça peut-être... Le Vive à 899. D'accord, c'est ça, ok. Ah, donc sorti en octobre, on n'a pas la journée précise, mais il arrivera finalement, on l'attendait pour le premier semestre, il arrivera à temps pour les fêtes, mais on passera pas l'été. On sera encore bronzé cet été, donc. Hein, voilà. Qu'est-ce qu'on sait de cet appareil? C'est que on aura besoin à côté d'acheter une petite caméra qui fera en fait le tracking, c'est-à-dire le suivi de la tête quand on se déplace. Une caméra qui est vendue à peu près 60 d'euros. Et c'est pas la caméra qui est déjà vendue avec la PlayStation 4 qui est vendue en option. D'ailleurs, c'est pour ça qu'ils la mettent pas en bundle, Sony et que tout le monde n'a pas. C'est parce que il y a déjà beaucoup. D'ailleurs, un représentant de Sony s'était moqué de Kinect en disant bah c'est bizarre, nous les caméras, on les vend vachement bien. Donc bon, visiblement, toujours est-il qu'ils en ont vendu suffisamment, mais ça, c'est vache. Vous n'en êtes peut-être pas. Et pour utiliser le casque de réalité virtuelle de la PlayStation VR de Sony, il faudra cette petite caméra branchée à la PlayStation pour pouvoir suivre le mouvement et que ça soit reproduit de manière la plus précise possible. Il y a aussi une chose qu'on a apprise et c'est plutôt bien parce qu'on avait plein de questions autour de ça. Ce qu'on avait découvert, et Sony était assez mystérieux là-dessus, qu'il y avait un petit boîtier qui s'interposait entre le casque
et la PlayStation 4. Alors qu'est-ce que c'est que ça? Alors ce boîtier qui s'appelle Processor Unit, mais qui n'apporte pas de la puissance en plus, attention, Sony n'arrête pas de le dire, il y a assez de puissance dans la PS4 pour tout faire tourner, vous inquiétez pas, c'est merveilleux, mais elle sert quand même à apporter un petit surcroît de puissance pour certains usages, donc Sony les a détaillés. Le premier, c'est pour la spatialisation du son en 3D, oui. Hein, parce que ça permet par exemple, quand on est dans son casque sur les oreilles, enfin le casque qui va avec le casque visuel, le casque des oreilles, on peut dire, tiens, il y a un son qui vient de là, en haut à droite, ah ben non, c'est plutôt en bas à gauche. Tout est spatialisé, voilà. On va dire. Pour l'immersion, ouais, c'est mieux que d'avoir un son tout bête, tout plat, quoi. Voilà, donc ça permet cette spatialisation. Il y a une deuxième utilisation de ce boîtier qui est ce que Sony appelle la gestion du social screen, c'est-à-dire l'écran social. Alors qu'est-ce que c'est l'écran social? Grosso modo, c'est l'écran que ceux qui n'ont pas le casque sur les yeux voient. D'ailleurs, ça peut être un téléviseur, ça peut être un moniteur. Enfin, c'est là où sort la deuxième image, pas l'image réalité virtuelle. Pour tous ceux qui ont encore un ami après avoir mis ce casque sur la tête, voilà. Et donc ces amis pourront s'occuper. Voilà, en fait. Sur cet écran social, il y aura soit une possibilité d'avoir un mode miroir où on verra en fait ce que le joueur voit sur la partie droite de sur son œil droit. Et puis il y a ce qu'ils appellent le mode séparé. Dans ce cas-là, en fait, ça peut être de l'audio et de la vidéo en 720p, pas plus haut. Et ça peut être autre chose que ce que le joueur voit. Alors sachant que évidemment les ingénieurs de Sony ont dit aux développeurs, attention les petits loups, n'y allez quand même pas trop fort, parce que si vous nous mettez vraiment du très lourd sur l'écran social, celui qui aura le casque, il va se retrouver avec il va avoir un diaporama, quoi, parce que ça risque de laguer, parce que la PlayStation 4 a beau être puissante, pas suffisamment, voilà. Et puis donc la troisième utilisation qui est gérée par ce boîtier extérieur, c'est le mode cinématique, parce que comme pas mal des casques qui existent déjà sur le marché, que ce soit le Gear VR de Samsung ou même le Vive, il y a un mode, donc ce mode cinématique, où en fait on voit un écran dans le casque, c'est-à-dire comme si on était dans une pièce et qu'on regarde un écran. Un écran dans l'écran, voilà. Qui lui-même est dans l'écran à l'intérieur des lunettes. En fait, qui peut donner l'impression, alors ils disent que... simule une salle de cinéma, c'est voilà, ça ils ouais. disent que ça peut faire, grosso modo, comme si c'était une diagonale d'écran de 5 mètres, un écran de 5 mètres, donc c'est pas mal. Ça commence à être pas mal, hein. Même si on peut régler la taille, et là-dessus, on peut regarder soit des films... Ouais. Qui sont, donc... qu'on aurait dans le disque dur de la PlayStation, ou alors c'est un truc qui est plutôt sympa, soit tous les jeux PlayStation 4 qui sont pas conçus pour la VR, mais auxquels on peut jouer de manière classique, on les verra de manière classique, mais dans un environnement un peu home cinéma. Voilà, c'est ça. Ça c'est pas mal du tout. Hein. Donc c'est à ça que sert ce petit boîtier. En matière de résolution, de qualité d'image, parce que c'est vraiment important, on voit que c'est un peu le point faible aujourd'hui de tous ces masques. Qu'est-ce que ça va donner? On gagne en immersion. On a un écran LED de 5,7 pouces, donc l'OLED est plutôt généralement un bon rendu. Il y a une latence qui est assez faible. En revanche, la résolution, c'est de la Full HD, qu'il faut après diviser par œil, ce qui est carrément en deçà de ce que fait la concurrence. Donc c'est pas forcément beau, mais après... Mais est-ce que c'est meilleur par exemple que le Gear VR avec un smartphone? Ça sera a priori mieux qu'un Gear VR. Déjà les programmes et les jeux qui seront dessus seront quand même normalement un peu plus sexy, on va dire, voilà. Mais alors c'est vrai qu'on est en deçà de ce que fait la concurrence en termes de définition de l'écran, de qualité d'écran, mais on devrait quand même pouvoir en profiter et en prendre plein les mirettes. Alors sachant qu'après il y a toujours la question de la latence, il y a la question de est-ce qu'on va avoir ce petit effet de nausée, parce qu'il était conseillé lors de la GDC, donc où la Games Developer Conference, où ont été faites ces dernières annonces, il a été conseillé quand même de ne pas tourner trop brusquement la tête, parce qu'il y a quand même toujours des petits effets de ralentissement. D'accord. Et voilà. Et qui vont être corrigés d'ici octobre, c'est ce qu'ils disent ou pas? A priori, pour une question hardware aussi. À terme peut-être, mais c'est le même problème sur un petit peu. C'est l'enjeu de la réalité virtuelle, c'est essayer d'éviter ces latences, ces nausées. Si on dit attention aux gens avant que le produit sorte, c'est pas bon signe. Non, mais c'est juste qu'effectivement, les mouvements trop brusques, si on veut jouer longtemps, risquent de donner un peu la nausée, parce qu'il faut il y a toujours ce risque-là quand même. Pierre, en matière de... parce qu'après, il faut des jeux. Est-ce que Sony a annoncé des jeux des partenariats avec des développeurs? Ils avaient déjà annoncé des jeux
lors de la Paris Games Week. Ils en avaient montré quelqu'un qui était pas mal. Là, ils ont annoncé qu'il y en aurait une cinquantaine entre le lancement du PlayStation VR et la fin d'année. Ce qui veut dire que, grosso modo, pour la fin d'année, si vous voulez rentabiliser votre casque, vous avez déjà une PlayStation, vous avez prévu d'acheter une PlayStation et le PlayStation VR, vous allez avoir de quoi vous occuper. Et ils ont annoncé effectivement des partenariats avec des grands noms de l'édition de jeux vidéo. Donc, des titres vont arriver, des titres sont déjà prévus, on en a vu quelques-uns qui étaient très sympas, on a, par exemple il y a le Riggs qui est une sorte de, c'est un mélange entre un jeu de sport un peu futuriste avec des robots et puis de la destruction d'ennemis où on doit marquer des buts tout en tirant sur les autres. Y aura le prochain Gran Turismo qui devrait être compatible, donc pour ceux qui aiment la voiture, ça pourrait être sympa. Y a aussi un jeu qui a l'air, alors pour l'instant il est assez mystérieux, mais c'est Robinson's Journey qui est fait par Crytek. Donc Crytek c'est les rois déjà du moteur graphique un peu chiadé. Et là c'est un jeu où de ce qu'on a vu, on se retrouve sur une île avec des dinosaures et tous les dinosaures ne sont pas herbivores. Donc c'est pas terrible. Voilà, je pense qu'il y aura des moyens d'avoir des expériences très variées et plutôt sympas, mais après c'est aussi vrai avec le PlayStation VR qu'avec l'Oculus et les autres. Kader nous demande sur Twitter, est-ce qu'on aura des jeux du genre GTA avec ce système-là ? C'est vrai qu'un GTA avec un PlayStation VR, ça peut être sympa. Je pense que ça risque d'être très mauvais pour nos nuits, mais pour l'instant, Rockstar n'a pas annoncé de GTA en réalité virtuelle. Mais je suis sûr qu'il travaille sur un truc comme ça. Il va forcément y avoir des jeux de tir à la première personne ou à la troisième personne qui vont jouer cette carte, c'est sûr. Ouais. Voilà, rendez-vous en octobre prochain, donc 399€ plus le prix de la PlayStation et les jeux qui vont avec. Caméra. Très bien. Continue à parler gaming un instant, juste avant, on a oublié la question 01net Orange du jour. Voilà, je reviens, parce que je reviens, je t'ai manqué. C'est l'émotion. Tu oublies la moitié du 01 la Vibdo. Qu'est-ce qu'on devient, Jérôme ? C'est vrai. On va parler d'Ultra HD tout à l'heure avec David. Alors, êtes-vous équipé dès aujourd'hui d'un téléviseur Ultra HD ? Dites-nous. Vous allez sur www.01nettv.com, vous répondez au petit sondage, on fait le point tout à l'heure. Alors moi, je vote non, pas encore. Ouais, mais toi, on a oublié la case très vite, j'espère. Oui, voilà, c'est ça. Très vite, j'espère. Celle-là, je l'aime beaucoup. Voilà, très vite, j'espère, si les prix baissent, entre parenthèses. Voilà. Pierre. Oui, c'est moi. Autre gros sujet. Ouais, Qu'est-ce que c'est que cette histoire ? Il sera peut-être possible un jour de jouer au même jeu en étant d'un côté, on va dire, mettons, sur Xbox et de l'autre côté sur PlayStation. Ouais. C'est un peu la fin d'une guerre de clans ou alors le début d'une nouvelle guerre en tout cas. Parce qu'effectivement, Microsoft, lors toujours de la Games Developer Conference de San Francisco, a annoncé que pour tous les développeurs qu'ils souhaiteront, ils pourront faire en sorte que les joueurs qui jouent sur le Xbox Live, sur Xbox One, pourront jouer avec des joueurs qui jouent sur PC sous Windows 10. Donc là, c'est déjà pas le cas, c'est pas possible. Il y a eu des expériences, mais c'était pas encore très probant, on va dire. Et donc ça, déjà là, on se dit, c'est pas mal. Mais sur Xbox One, c'est voilà. Cool. Mais surtout, ils disent, évidemment, on ouvre ça à d'autres plateformes. Ceux qui veulent. Voilà, si quelqu'un est intéressé dans l'audience. Même un constructeur japonais, par exemple, si Sony. Et on pense pas forcément au Mac tout de suite. On pense plutôt à la PlayStation. Effectivement, il était. Rocket League, alors je sais pas si vous connaissez Rocket League, c'est une sorte de jeu de football avec des petites voitures. C'est un mélange entre micro-machines et du football où on s'affronte par équipe. C'est pas du tout addictif et c'est pas du tout n'importe quoi surtout. C'est un baby-foot car. Un peu, voilà. C'est ça. Et donc ça sera un des premiers jeux à bénéficier de cette fonction de cross-platform, de jeu en cross-platform. Et donc, grosso modo, effectivement, on pourra avoir des amis qui sont sur PlayStation 4 et être soi-même sur Xbox One ou même sur PC et jouer ensemble à une partie de ce même jeu sans priori, sans problème. Ça dépendra donc de ce que font les développeurs. Ça dépendra des développeurs, si les développeurs acceptent d'ajouter ça ou pas. Après, mais est-ce que Sony peut s'opposer, par exemple ? Parce qu'on sait bien que si Microsoft fait cet appel du pied, c'est aussi pour des raisons commerciales, ils sont un peu en position challenger, Sony a répondu un petit peu en bottant en touche, mais en disant « Ouais, pourquoi pas ? Mais nous, on a déjà fait du cross-platform, souvenez-vous, on a des jeux qui tournaient sur notre PlayStation et qui tournait sur PC. Oui. Alors nous on pense notamment à Portal 2. Street Fighter aussi, je crois.
J'ai pas souvenir de Street Fighter. C'est Jérôme, notre ingé son, qui nous dit ça. C'est peut-être. Alors moi, les jeux de baston, j'avoue que j'ai arrêté quand je me suis fait battre par mon petit cousin. Mais la chance du jeune premier, ça sort les jeux de baston. Mais je me souviens très bien de Portal, effectivement, Portal 2, qui permettait de jouer comme ça, de se loguer avec, en passant via Steam, évidemment. Donc grosso modo, là, c'est quand même une belle chance qui est offerte aux joueurs. Alors évidemment, on se pose tous des questions parce qu'on a tous en tête des différences de gameplay. Par exemple, un FPS, un jeu de tir à la première personne, à la manette, on est un peu moins précis. D'ailleurs, c'est pour ça que les hitbox, c'est-à-dire les zones de tir, sont un peu plus grosses pour les tirs à la tête notamment. Et on se dit, quelqu'un qui joue, si par exemple on va prendre un nom, Call of Duty, si on joue un Call of Duty sur une Xbox et qu'on affronte quelqu'un sur PC, on a des chances de passer un sale quart d'heure si les choses ne sont pas un petit peu calées. Exactement. Ouais. Parce que clavier souris est plus précis, etc. Mais c'est en tout cas, ça ouvre. Par exemple, un FIFA, cross-platform. Tout ce qui joue à la manette, sur tous les supports, peut être super sympa. Ouais. Donc c'est une jolie porte ouverte, même si effectivement, comme disait Jérôme, on sent que Microsoft est un petit peu à la ramasse en termes de vente de consoles, ils ont pris beaucoup de retard avec les fêtes de fin d'année, et que grosso modo, pour éviter que tout le monde dise ah ouais, mon pote il est sur PS4, j'aimerais bien jouer avec lui, mais je peux pas, j'ai passé une. Ben là maintenant tu pourras, mon pote. Là voilà, enfin, on pourra dire peut-être un jour. Ça va arriver. En tout cas voilà, ça à surveiller de près. Voilà, tout à fait. Pierre Fontaine, merci beaucoup. Allez, on enchaîne. On va parler d'Ultra HD puisque cette semaine quand même, Orange a fait son événement avec le show Hello. D'ailleurs, à retrouver l'interview de Stéphane Richard qui raconte pas mal de choses concernant à la fois l'acquisition éventuelle de Bouygues Télécom par Orange, mais aussi évidemment qui rentre dans les détails concernant cette nouvelle box. Et on en a profité pour faire un point justement sur l'Ultra HD sur les box opérateurs. Ça commence à arriver. Ça arrive. Alors les offres, on m'excusera un petit peu, mais j'ai toujours un petit peu du mal à. C'est encore pas toujours très clair. Parce que donc maintenant, pour être clair, il va y avoir trois box compatible Ultra HD, Zive Mini 4K, Zive SFR et alors Zive Freebox, SFR, Freebox Mini 4K, la nouvelle Livebox. Et la nouvelle Livebox qui devrait sortir avant l'été. Rien du tout chez Bouygues pour l'instant. Rien chez Bouygues. Et alors c'est vrai qu'en termes de comparaison, s'il était question, alors parce qu'on prépare quand même plusieurs petits papiers, dont un petit match de boxe, donc c'est vrai qu'on va. Techniquement, on va un peu mettre de côté cette mini 4K parce que c'est pas censé être la box qui va rivaliser aussi bien avec la Livebox qu'avec la Zive de SFR. C'est quand même la box qui remplaçait la Crystal, donc plutôt l'entrée de gamme. C'est une Android TV. Bon, Android TV, enfin, moi pour l'avoir ça s'améliore gentiment, mais c'est encore réglé. Hein. Puis bon, Freebox, c'est sur mini 4K, ils ont une chaîne qui s'appelle Festival 4K. Tout le monde se précipite d'ailleurs. Et voilà, c'est exactement ça. Et c'est tout. Donc l'offre 4K sur Free, c'est encore pas tout à fait ça, puisqu'en plus, ils n'ont pas l'application Netflix. Et c'est ce sur quoi joue Orange, notamment, puisqu'ils annoncent quand même à la sortie de la box, dont on ignore grosso modo à peu près tout sur l'offre commerciale, puisque pas de prix, qu'est-ce qui sera en option. Voilà, donc, on murmure fin mai pour la sortie. Hein. Fin mai, et côté 4K en tout cas, c'est assez étonnant, on nous parle de vive voix de à peu près 40 films en ultra haute définition, les communiqués évoquent 300 titres, donc parmi ces 300 titres, il y a de fortes chances qu'il s'agisse du contenu Netflix Ultra HD, OCS, qui basculerait, donc les chaînes d'Orange Cinéma Series, qui basculerait vers une version Ultra HD, mais alors quand on pose la question... ce service OCS est accessible sur d'autres box, est-ce qu'il le sera aussi en version Ultra HD? On ne nous dit rien, parce que potentiellement, ça ouvre aussi le catalogue finalement aux autres box à ce contenu Ultra HD. On pourrait très bien retrouver OCS sur Zive, sur sa Freebox Revolution, et du coup accéder, sur Freebox Revolution V7, qui sera sans doute aussi Ultra HD. Donc voilà, donc moi je trouve qu'encore l'offre Ultra HD, c'est encore un peu pas très très clair. Il y a Canal Plus aussi, il faut pas. Il y a du Orange, Canal Plus. Orange a communiqué sur les matchs de foot. Ultra HD. Donc il y a des chances que sur ces 300 titres, ça mixe un peu tout. OCS, Netflix, les démarrer, matchs de foot. Mais en tout cas, c'est un début, on va dire. C'est un début. Ça voilà, commence à ressembler à quelque chose. Je pense que ceux qui se sont achetés une télé vont pouvoir enfin commencer à en profiter. On a une question de Lucien qui nous demande est-ce que ça fonctionnera avec de l'ADSL? Alors voilà, ça c'est la grande question. L'ADSL, c'est sûr, non. Non. Le VDSL, alors si vous êtes connecté mais vraiment à un mètre du coup on peut espérer, alors pas quatre figures très personnelles, mais moi je suis
sur une ligne VDSL, donc j'ai quand même assez peu d'atténuation de débit, et je suis sur 50 mégabits en entrée, sur une paire de cuivre, donc c'est quand même c'est pas mal. Là, c'est peut-être jouable. Et donc là, c'est peut-être jouable. Donc j'ai une Freebox Mini 4K, donc il va falloir que je fasse venir maintenant la télé 4K pour pouvoir essayer ça. Mais il y a de grandes chances que ce soit quand même assez instable, il suffit que quelqu'un d'autre regarde la télé, un flux HD sur un autre poste. C'est vraiment fait pour la fibre. C'est vraiment un truc qui est fait pour la fibre. D'ailleurs, SFR, sa box Zive, c'est à partir de Power 400 Mbps qui nous garantissent un service 4K. Il y a de grandes chances qu'il en soit de même sur Livebox avec les premières offres fibre. C'est un peu présomptueux. Alors on va attendre l'été, on va attendre les mois qui viennent. Et alors, en dehors des box. En dehors des box, on a des films. C'est quoi cette bébête, une exclue. Alors on va pas trop en dire parce que c'est Pépé Garcia qui nous prépare ça pour un Power diffusion le 28 mars. Là j'ai une belle télécommande Panasonic. Et donc en fait on a juste la première platine Blu-ray Panasonic. Alors c'est simple le nom, il est très simple à retenir. DMP UB 900. Pardon. Et c'est comme toujours, très simple à retenir, donc voilà, je vous la montre. Il y a pas de X ou de Z, mais non, en fait, il y a un EGK, mais je pense que près derrière. Donc voilà. Je pense que quand on dira en magasin et qu'on demandera la UB 900. Bon, devant, oui, il n'y a pas grand chose. Donc voilà, donc devant, il n'y a pas grand chose. Avec l'arrière, David, la belle connectique qui ira bien pour regarder son contenu ultra HD, 4K. Donc c'est la première platine cette fois-ci. Et en plus, on a eu une galette, donc le fameux Spider-Man qui est pressé Spider-Man, sur une galette de 100 gigas, donc du 4K, le du HDR. De la télé dans les mains de David, les amis. Exactement. C'est vraiment un événement. Hein. Donc, à découvrir bientôt. Ouais. On prépare plein de choses du coup sur cette image ultra HD, toutes ces solutions en l'occurrence c'est la première, mais Samsung l'avait annoncé. Donc Pépé nous a préparé plein de questions-réponses. À découvrir bientôt, et le petit moyen mnémotechnique pour ceux qui voudraient l'acheter, UB 900, 900 euros. Ah oui, 900 voilà. euros. Wow. Donc quand j'aurais préféré moi l'UB 100, mais bon, c'est pas grave. Non mais quand Panasonic, on peut toujours l'acheter à l'OLED. Hein. L'OLED est à 10 000 euros chez Panasonic, une bagatelle, on se fait une petite installation sympa. Et 900 euros le lecteur Blu-ray, quand on sait surtout que dans 3 mois, ça coûte moitié prix. Quoi. Bah, c'est terrible. Mais si tu veux être le premier, c'est le prix à payer. Voilà. Merci David pour ce coup d'œil en exclu. On jette un œil sur notre question Zéronet Orange. La question Zéronet Orange du jour, êtes-vous équipé d'un téléviseur Ultra HD pour profiter de tous ces jolis contenus? On s'aperçoit qu'il y a encore du chemin à parcourir. Non à 72% et seulement 28% de oui. Ouais, mais tu sais quoi, je trouve que c'est pas mal quand même. Pas mal 28%. Presque un tiers, presque un sur trois. Des gens qui participent à ce sondage qui ont déjà une télé Ultra HD. C'est vrai. C'est pas mal. Moi, je trouve ça pas mal aussi. Ouais, c'est pas mal du tout. Bon, après 50 plus Ultra HD à 700-800 euros maintenant, on peut commencer à se offres en fin d'année qui étaient assez sexy. Ouais, mais le truc de dingue, c'est que finalement le lecteur Blu-ray Ultra HD peut coûter dans certains cas plus cher qu'une télé. les gars. Ouais, après ça fait vraiment beaucoup de choses. Vraiment, on va le découvrir au travers des vidéos, mais ouais, il y a une vraie performance. Petite exclu donc sur Zéronet TV dans ce Zéro en la Webdo. Merci beaucoup David Noguera et merci encore à Pierre Fontaine. Et tout de suite, c'est la chronique Zoom Actu de Delphine Sabatier. Et toujours l'hashtag 01live donc pour poser vos questions. Dans quelques instants, Aymeric Siméon nous rejoindra avec une super tablette sous Windows 10 signée Samsung qui ressemble fortement à la Surface Pro de Microsoft. Bonsoir Delphine. Bonsoir tout le monde. Delphine. Un petit peu en retard, il faut nous pardonner, mais on a une grosse actu ce soir. Delphine Sabatier, vous allez nous parler ce soir du pape, le pape François, qui est décidément très branché, parce qu'il est sur Twitter, si je ne m'abuse, et voilà qu'il vient d'ouvrir son compte Instagram. Ce sera samedi. C'est vrai ? Eh oui, c'est pour son anniversaire et 3 ans de son pontificat officiel, donc à découvrir samedi. Mais que va-t-il faire sur Instagram, ce pape ? Oui, alors ça, c'est la grande question. On connaît quand même déjà son pseudo, Franciscus, si vous voulez ne pas rater une seule image, notez bien ce nom. Donc je vous dis, samedi, Instagram aura donc une nouvelle star. Alors en général, les célébrités utilisent Instagram surtout pour se mettre en scène, poster des photos d'elles dans des moments de la vie privée, alors toujours quand même bien choisi. Oui. Mais je doute qu'on aura ce type d'image de la part du pape au réveil ou dans une fête. Pape, ouais, ça va être drôle quand même. Il y en a beaucoup de selfies du pape, mais c'est pas lui qui les fait. Hein. Il a dit qu'il avait quand même d'autres projets pour lui. C'est surtout Instagram, c'est le pouvoir des images. Alors il en a parlé avec le fondateur
d'Instagram qu'il a rencontré fin février. Ah ouais. Et il lui a dit que c'était aujourd'hui un instrument pour unir les peuples de toutes les cultures et de toutes les langues. Là, je suis en train de le citer. Voilà, donc pour lui, c'est un outil de communication nouveau qui va lui permettre de toucher potentiellement quand même 400 millions d'utilisateurs. Hein, c'est ça que représente Instagram. Bien parfait. Sûr. Alors bon, il faut savoir que le pape François a déjà son compte Twitter. Ouais. Et là, ça cartonne. Alors c'est pas mal, 30 millions de followers, on n'est pas loin de Barack Obama finalement. Ouais. C'est beaucoup plus que François Hollande. Donc il est très suivi, il ne suit que lui-même, hein. N'espérez pas de retour, puisqu'il suit en fait ses propres comptes qui existent dans différentes langues. D'accord. Alors j'ai regardé quels étaient les pays les plus adeptes du pape. Donc c'est l'Espagne, l'Italie évidemment, et les pays anglophones, et derrière le Portugal. Nous on arrive un peu plus loin. Alors en fait, pour la petite histoire, c'est pas le pape François qui a ouvert son compte Twitter, c'est Benoît XVI qui a été le premier pape à tweeter au monde, donc avec le compte @pontifex, hein, c'était en 2012. Et puis depuis, c'est vrai que le pape François s'en sert beaucoup pour diffuser sa parole auprès de ses fidèles. Sur Instagram, il l'a dit lui-même, il va avoir en plus l'avantage par rapport à Twitter, c'est vraiment qu'il va pouvoir utiliser la force des images et puis il va pouvoir toucher et marquer les esprits des plus jeunes. Hein. Il y a une étude Ipsos qui dit que les moins de 20 ans passent 14 heures par semaine sur les réseaux sociaux. C'est quand même assez impressionnant. Et voilà, et puis tout le monde s'y met. C'est vraiment un espace aujourd'hui qui est utilisé non plus seulement par les célébrités d'Hollywood, c'est un outil de promotion, mais aussi par les politiques. Voilà, la religion. François Hollande aussi a son compte Instagram. Ça permet vraiment de faire de la communication par l'image, de se mettre en scène différemment. Alors moi, je me pose une question, c'est qu'en pensent les jeunes? Est-ce qu'ils sont contents finalement que ces espaces qui leur appartiennent, hein, sont leurs espaces sont de communication, par... bonne question. Sont occupés par des gens qui font de la com, voire de la politique. En tout cas, si j'en crois ce qui se passe sur Periscope, pour l'instant, ça leur plaît pas beaucoup. Ah bon. C'est vrai qu'il n'y a pas que des aventures, on va dire, heureuses sur Periscope. Non, il faut apprendre à maîtriser ses réseaux sociaux. Et alors, tiens, petite devinette à vous deux. Est-ce que vous connaissez la personne qui a le plus de followers sur Instagram? Sur Instagram, c'est Barack Obama ou je sais pas qui. C'est Selena Gomez. Ah, voilà, la chanteuse. Alors, beaucoup plus sérieux. Moi. Elle a pratiquement 70 millions d'abonnés sur Instagram. Ah oui. Bon, et à mon avis, les photos de Selena Gomez, ça n'a rien à voir avec celles du pape. Voilà, je pense. Écoute, on verra. Je pense. Le match est ouvert. Le match est ouvert. Amen. Merci beaucoup, Delphine. Merci. C'est qui Selena Gomez? Tu connais pas Selena Gomez? Attends, une chanson. Une petite chanteuse, voilà. C'est pour vous énerver, non mais franchement, allez. Elle était sur Disney. Allez, passons aux choses sérieuses. Eh oui. Ah mince, je l'ai raté sur Disney Channel. Évidemment. Bon, vous savez quoi, on va terminer avec aussi la star des réseaux sociaux de Zéro à Live. C'est Aymeric Simon qui nous rejoint tout de suite. Allez. Alors c'est sûr qu'il est peut-être moins doué que Selena Gomez pour faire des selfies à Aymeric Simon, quoique... Ou de la chanson même. Hein. Ah. Alors, enfin, cela dit, oui. Ah, c'est Selena une chanteuse. Gomez, oui, elle fait aussi. Ouais. Ouais. Bon, il faut s'accrocher quand même. Hein. Bon, enfin bon, c'est pas assez... là on s'éloigne du débat. Aymeric Simon, bonsoir. Bonsoir. Salut Aymeric. De te retrouver Aymeric. Oh, une Surface Pro. Mais avec écrit Samsung dessus, mais qu'est-ce que c'est que cette histoire? Oh, tout de suite, c'est pas bien. Non, c'est pas bien, c'est pas cool. Dire ça. Mais c'est un joli appareil, dis donc. Bah vie. Ça alors. C'est joli. C'est arrivé, alors j'ai vu la boîte arriver tout à l'heure à la rédaction de 01. C'était quoi, il y a 2 heures? Et ça vient juste donc d'arriver chez nous. C'est qu'est-ce ça. Qu'est-ce que c'est? Fraîchement déballé. D'ailleurs, on voit le déballage en ce moment même. C'est ça, c'est la criée du jour. C'est la Galaxy Tab Pro S. C'est la pêche du jour. Voilà, tout à fait. Tab Pro S. Galaxy Tab Pro S. Alors, faut faire un peu d'articulation, mais ouais, ça passe facile tout seul. À dire. Voilà, c'était une tablette qui a été annoncée lors du CES 2016. Ouais. Voilà. Mm-hmm. Et donc, on l'attendait. On savait qu'elle devait arriver. Alors, c'est un peu rigolo parce que c'est une tablette donc sous Windows 10. On sait que Samsung a arrêté de faire des PC. Oui, c'est 10. Vrai. Enfin, en tout cas pour l'Europe. Oui. Hein, voilà. On est boudé. Donc ça veut dire que ça ne va pas sortir en France? Ah bah si.
Affirmatif. Ils sont plein de contradictions, ces gens-là. Ils sont pas tranquilles dans leur tête, voilà. Alors, ils se non, mais c'est aussi que les PC traditionnels les intéressent plus, quoi. Il n'y a plus de marge à faire, c'est en perte de vitesse. Alors, oui et non. Je pense qu'en fait, effectivement, sur l'Europe, Samsung n'était pas en position de force comme il peut l'être sur la téléphonie, en tout cas sur le marché du PC. Mmh. Donc, ça, c'est clair. Hein. Ils étaient pas toujours. Ils étaient en tout petit dans les graphiques de GFK, etc. Ça n'a jamais été un gros vendeur, mais ils avaient quand même des PC qui était sympa. Il avait plein de concepts assez sympas. Et d'ailleurs, en fait, on en retrouve une partie de l'ADN, c'est marrant, des PC là-dedans. Au niveau des specs, c'est quoi? C'est un clone de la Surface ou pas du tout? Exactement. C'est un clone de la Surface. On a de l'Intel à l'intérieur. Ouais, c'est un clone. Alors non. C'est un clone de la Surface Pro 4. Le modèle vraiment entrée de gamme, si on veut, quoi. Hein, 1000 euros. Voilà, même pas. Core M3. Ouyaï. Voilà, c'est un Core M3, donc faut pas s'attendre à... Pas fraguer hein, avec ça. Hein. Ah non, pas du tout, clairement pas, c'est pas un foudre de guerre, c'est vraiment c'est une tablette vraiment pour faire ce à quoi se destine une tablette hein, fondamentalement. travailler, consulter, surfer. Alors travailler parce que effectivement on a un clavier qui est plutôt sympathique hein, d'ailleurs, alors qui offre de très belles sensations de touche, très jolie. La seule chose c'est que ce clavier, alors moi je lui ai déjà trouvé des défauts, alors je vais essayer de vous montrer, je sais pas si on va pouvoir le voir à la caméra, quand on essaye de l'enlever, donc la charnière est aimantée. D'accord. Alors la caméra est derrière toi, moi. Ouais, ouais. Donc, voilà. Et en fait, c'est du plastique. Et donc, quand on tire un peu dessus, très honnêtement, moi, j'ai un peu peur qu'au bout d'un moment, ça vienne quand même. C'est-à-dire que ça fasse crack. D'accord. C'est le bon. Alors, je pense que Samsung a bien travaillé sa copie, hein, mais le de prime abord, ça donne pas une sensation quali quoi. Donc voilà, ça c'est un peu l'écran AMOLED en revanche, ça alors super AMOLED. Ça pète les yeux là. Super AMOLED, alors c'est exactement le même écran qu'on a sur les smartphones hein, haut de gamme de Samsung. C'est quelle taille d'écran ça, on me rappelle? 12 pouces. On est sur du 12 pouces, super AMOLED,